jour, dans une vidéo, tu vas apprendre comment tu peux déplacer deux personnages en séquence qui vont réagir un par rapport à l'autre. Donc, pour notre projet, voici ce que nous voudrions obtenir. Donc, voici le résultat qu'on aimerait avoir. Lorsque le bonhomme bleu va s'approcher du bonhomme mauve, le bonhomme mauve va attendre, puis quand que le bonhomme bleu va être assez proche, ben, il va s'éloigner. Donc, si on regarde ce que ça donne, le bonhomme bleu avance, le bonhomme mauve va s'éloigner. Donc, pour faire ça, ce que j'ai fait pour le bonhomme bleu, donc tic, je l'ai fait déplacer de 3 espaces. Et par la suite, ce que je vais demander qu'il envoie un message. Donc, dans les blocs jaunes, tu vas avoir une enveloppe qui s'en va. Donc, on va venir le placer ici. Et par la suite, on va aller sur notre personnage, tac, et on va lui demander de démarrer lorsqu'elle reçoit un message. Ce qui est important ici pour les blocs, c'est la couleur. Donc, on pourra avoir plus qu'un personnage, mais présentement, on sait que s'il y a un message orange qui arrive, le code va partir. Tandis que si on va voir Tic, lui, c'est qu'il a envoyé une enveloppe orange. Donc, même chose, on pourrait choisir la couleur des enveloppes. On pourrait avoir plus de deux personnages puis les faire réagir ensemble. Donc, lorsqu'on paye sur le drapeau, clique sur le drapeau, on va avoir notre comportement espéré. Donc, tu peux t'amuser avec ces blocs-là pour faire déplacer et faire réagir tes personnages ensemble.